Salut mes amis, vous êtes bien sur Pierre et Paul Tout Travaux mes amis. Voilà, je vais vous expliquer ou je vais essayer de vous expliquer comment procéder pour faire la pose de la fossette tout haut mes amis. Primo mes amis, déjà le départ, vous devez savoir déjà votre attente soit eau pluviale ou soit eau usée mes amis. Je vais vous expliquer tranquillement et sûrement mes amis. La fosse a deux sorties. Donc, disons, il a deux ouvertures, disons. Il y a l'ouverture marquée sortie et il y a l'ouverture marquée entrée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, l'entrée, il est toujours plus haute par rapport à la sortie, mes amis. Donc, mon entrée là, je vais repérer déjà mes attentes. Par rapport à l'attente, tu regardes votre attente. Et vous prenez la hauteur de la sortie là, de l'entrée pardon. L'entrée là, il est normalement à 1,40. 1,40, donc vous allez maintenant sur votre attente, vous prenez votre fil d'eau et vous descendez à 1,40, profondeur 1,40. Et pour la pose, vous allez faire une ligne de pose, soit vous mettez du sable ou soit vous mettez du 6-10. Et voilà, une fois que vous avez fait votre ligne de pose, et vous prenez sur le plan, normalement vous avez le côte. Et par rapport au côte, vous faites votre trou, votre réservation trou. Et vous venez, vous mettez votre fosse. Et c'est vous de positionner comment vous les voulez les positionner. Et c'est après maintenant, vous allez commencer à faire votre branchement. Il faut toujours avoir soit 1 cm de pente par rapport à votre attente et l'entrée de la fosse. Et ainsi de suite mes amis, voilà, là c'est vraiment du pain béni, la pose c'est très 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 facile. Et la sortie, il va soit sur gargouille, sur la route ou je sais pas moi où vous allez mettre votre sortie, eau usée ou eau pluviale, voilà mes amis. Voilà, vous savez comment poser la fosse et je vous montrerai, je vous mettrai des vidéos de la pose. Merci, nickel.